Ravi de vous retrouver dans Fight Night, des 16 combattants au départ du Pride Grand Prix 2004. Il ne peut en rester qu'un. Pour le deuxième tour, ils sont encore 8 à rêver d'immortalité. On va découvrir ce soir les deux premiers quarts de finale avec d'un côté Karitonov face à Shield et de l'autre Ogawa face à Giant Silva. Mais avant de s'envoler pour le Japon, Fight Night a rencontré un combattant bien de chez nous et l'a suivi dans sa préparation pour découvrir le Free Fight Made in Belgium. Suivez le guide. Bonsoir les gars, ça va les gars? Eh ben voilà, je m'appelle Asim Sever. Je suis combattant en free fight et maintenant je vous invite justement pour que vous veniez voir dans ma salle un peu une petite préparation en free fight et en pied-point. Ok les gars. J'ai commencé à faire la boxe anglaise et puis j'ai fait du kick, du full et après j'ai fait du karaté au chaos, c'est le Kyokushinkaikan qui a été fondé par Masayama et puis en somme après je me suis orienté vers la boxe thaï, le Muay Thai. Et après la boxe thaï Muay Thai, évidemment, on va toujours un peu plus loin. On cherche toujours de plus en plus la vérité, quoi. D'abord, t'as juste les points en anglaise, et puis t'as le pied, point, genou, coude. Et puis après, on veut aller encore plus loin, et on veut terminer dans le sol, et dans le sol, on cherche les pieds. Et pour moi, mais je dis bien ça encore mon avis personnel, c'est très complet, c'est très beau. Je ne peux pas me dire, moi je veux faire du piano. Non, il faut aussi avoir ça dans l'âme, il faut avoir ça dans le sang aussi, hein. Il faut être objectif. Si tu fais du free fight, il faut que tu l'as dans le sang, il faut avoir déjà quelque chose, il faut avoir un bagage avec. Il ne faut pas dire, voilà, maintenant je veux être un chanteur ou j'ai le musicien. Non, il ne faut pas rêver. Maintenant, je fais des rounds, des pao avec des gants de free fight. Pourquoi? Pour déjà être habitué. C'est des gants de free fight. Ça, ce sont les gants de free fight. Montez-les un petit peu. C'est quoi? C'est ouvert à l'intérieur? Voilà, c'est ouvert à l'intérieur. Il y a une sorte, ici, on attache avec un scratch. On met toujours des bandages aussi à l'intérieur. Tu peux expliquer pourquoi c'est ouvert à l'intérieur? Pour attraper, pour avoir des prises. Ça, pour travailler au sol. Alors. Pour travailler les prises au sol, c'est-à-dire les clés de bras, les clés de pieds, etc. Uh-huh. Et pour avoir une belle frappe, pour avoir une belle saisie. Tu vois l'épaisseur des gants? Ça, c'est voilà. Assez dur quand même. C'est pas tellement dur, ouais. Il faut voir derrière le free fight, il y a tout un entraînement. Il y a plein de choses que tu dois faire. Tu dois te sacrifier à plein de choses pour pouvoir faire du free fight. Parce que tu n'es pas free fight du jour en main. C'est pas pour ça que tu es un bagarreur de rue que tu fais du free fight. C'est pas vrai. Pour faire du free fight, tu dois travailler beaucoup dans les sols. Tu dois travailler beaucoup le pied-point. Tu dois faire attention à ta condition. Tu dois faire attention à ta nourriture. Un voyou ne peut pas faire ça. Les gens qui connaissent pas, qui participent pas, mais qui regardent pas, qui voient pas, qui écoutent pas, qui veulent pas s'intéresser, ils voient évidemment deux gars qui se rentrent dedans, puis l'autre a un œil qui est gonflé, évidemment, ils disent « Oh, c'est un sport de brute ». Non, parce que on est fait tous les deux de chair et d'os. Il a deux bras, j'ai deux pieds, il a une tête. Et on y va, on travaille, parce qu'on commence pas à jeter n'importe quoi. La première chose qu'on essaie de faire, c'est vite terminer sur une clé, ou vite le mettre et c'est le chaos. Et si le gars commence à prendre trop de coups qu'il est débordé, boum, l'arbitre fait un break, c'est terminé. Dès que le jeu arrive, je viens un peu chauffer avec un sac. Et comme ça, je vais un peu déjà tourner. Un partenaire d'entraînement assez particulier, hein? Non, ouais, mais bon. L'avantage, c'est qu'il ne rend pas les coups. Ah, il ne rend pas les coups, mais c'est bon. Mais c'est bien, parce que tu restes toujours, tu t'accroches, mais c'est bon. J'aime bien t'avoir la frappe. Parce que
Avec une clé, c'est super bon, hein. Mais tu peux encore glisser, tu vois. Il faut que la clé soit bien prise, puis t'es fait. Là, c'est une petite figure où toi, là, t'es debout, et l'adversaire ouais, est... Il est au sol, donc je cherche un peu à faire des petites touchettes. Je travaille un peu ma condition. Je travaille une condition, c'est une condition qui tourne sans arrêt. Parce que souvent, le gars ne reste jamais devant. Il va toujours tourner parce que toi, tu vas chercher vite le côté où il y a un trou, boum, vite pour plonger, pour vite frapper. C'est comme le jeu d'échecs, tu prépares tes coups à l'avance, tu jettes pas de gauche, tu gères, tu te dis je veux bluffer, je veux faire semblant d'aller à gauche pour aller chercher à droite, je vais prendre son bras, je vais faire semblant d'aller chercher son bras mais je vais prendre son pied pour travailler. Et tu gères, tu fais semblant, tu bloques dur pour aller chercher vite le coup, pour aller faire une clé. C'est ça, il faut gérer, il faut être intelligent. Sim, merci de nous avoir invités ici. Et c'est moi qui vous remercie, c'est très sympa de votre part. Je te souhaite un bon combat. Merci beaucoup. Bon, salut. Us, comme ça. Us. Voilà, alors, c'est... Us à Sim. Merci beaucoup. Merci pour tout. Voilà, merci. Pour rappel, il a vu le jour.